L'élevage industriel est devenu la première cause de souffrance animale dans le monde. Dans deux minutes, vous saurez comment nous pouvons stopper cette industrie. L'élevage industriel a transformé les animaux vivants et sensibles en produits de consommation. Pour produire de la viande, du lait ou des œufs, ces animaux sont de plus en plus entassés dans des espaces de plus en plus petits. Dans les élevages industriels, les animaux subissent aussi des mutilations douloureuses. Mais puisque c'est si cruel, pourquoi est-ce que le gouvernement ne fait rien? En fait, c'est compliqué, parce que l'industrie est très active pour empêcher le moindre changement. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons agir nous-mêmes pour changer les choses. Pourquoi est-ce que l'élevage industriel existe? Simplement parce que nous en achetons les produits dans les supermarchés. Alors, si nous arrêtons d'acheter ces produits, les supermarchés ne vendront plus? Et si les supermarchés arrêtent de vendre, alors l'industrie ne les fabriquera plus? Et si l'industrie arrête de les fabriquer, les éleveurs industriels devront choisir un métier différent pour pouvoir gagner leur vie? Et les animaux seront sauvés. Si nous achetons moins de viande, alors moins d'animaux seront enfermés dans des fermes industrielles. On peut même choisir de ne pas manger de viande du tout. Et ainsi, les animaux peuvent vivre leur vie comme ils en ont le droit. C'est aussi simple que ça. Pour sauver les animaux, il n'y a qu'à choisir une alimentation plus respectueuse. Mais pour cela, il faut juste que tout le monde soit informé. Alors, pour aider les animaux, faisons passer le message. Partageons cette vidéo, par exemple. Nous avons la vie et l'avenir de ces animaux entre nos mains. Nous pouvons agir pour eux chaque jour à chaque repas. Pour les animaux comme pour nous, ça vaut le coup.